Cette crème solaire de clé de peau, mesdames et messieurs, vaut 168$. C'est la crème solaire la plus chère que j'ai jamais eue de ma vie. On va la tester ensemble aujourd'hui. Je vous entends déjà me demander pourquoi qu'elle coûte 168$. Aucune idée. C'est des écrans solaires bien normales avec les autres ingrédients ici qui sont majoritairement botaniques. Il y en a beaucoup, comme vous voyez. Mais si je me fie avec mon expérience de Shiseido, clé de peau, qui sont des marques voisines, en général, c'est des produits qui sont juste tellement agréables à utiliser. C'est déjà, je pense qu'on peut voir, ça ressemble pas du tout à une crème solaire régulière. Genre, c'est comme rosé. Ça a l'air super fluide. Oh, ouh! Ok, ça sent quand même la crème solaire. Oui, ça sent la crème solaire bien classique. Pas trop dérangeant, mais la texture, oh my god, on dirait un sérum. C'est tellement agréable, wow! C'est genre vraiment fluide quand tu l'appliques, mais je sens qu'elle va comme sécher puis devenir plus balmy, plus recouvrante. Ouais, plus crémeux sur ma joue, là, ça s'en vient un peu plus épais. Bon, ben, t'es le fun à appliquer, elle fait un magnifique glow, encore plus que celle de Charlotte Tilbury que j'aimais. Fait que, est-ce que je l'aime? Oui, mais est-ce que je peux...